Mais pourquoi donner votre vie au Seigneur Jésus? Je précise que j'étais à cette époque assistant au chef des travaux. Hein. Je ne suis pas Voilà. arrivé au rang de Des professeur. professeurs, Ouais, ok. voilà. Donc j'ai arrêté en tant que chef des travaux et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus parce que j'ai compris hein, que sans lui, du point de vue spirituel, je n'étais rien du tout. Et donc nous savons que le monde spirituel est celui qui guide toutes choses. Et donc il était impossible d'avoir une vie épanouie sans Christ. Et donc j'ai eu le message du Seigneur et j'ai cru et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je pourrais même dire presque tout. Et ça m'a donné d'ailleurs un peu plus de force par rapport à mon travail en tant que enseignant à l'université et en tant qu'aussi avocat. C'est beaucoup, beaucoup d'expériences merveilleuses avec le Seigneur dans ces professions-là. Voilà, si j'ai posé cette question, c'est parce qu'il y a de ces bien-aimés qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir les biens matériels. Quel est le Ouais. conseil que vous pouvez donner à cette catégorie de personnes-là? Non, le bien matériel est une conséquence en fait de la vie avec le Seigneur. C'est vrai que ça ne vient pas forcément du jour au lendemain. Il y a tout un parcours, mais plus on grandit, plus on devient qualifié pour les biens matériels. Donc le Seigneur lui-même sait à quel moment il les accorde. Comme la parole dit, fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il faut simplement aller dans le parcours que le Seigneur indique et au bon moment, il sait amener tout ce dont on a besoin pour avoir une bonne vie. Voilà, merci beaucoup, pasteur Jacques Raymond Goïka-Koudji. Voilà. De 1994 jusqu'à 2024, aujourd'hui, pratiquement jour pour jour, 30 ans que 30 ans. vous avez donné votre vie au Seigneur Exact. Jésus-Christ. Comment faites-vous pour garder la vie de la sanctification? On sent que vous tenez et vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment faites-vous pour garder cette vie de la Je vais vous dire une sanctification? anecdote, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur dans cette maison ici. Dans cette maison ici, Ici, voilà, donc notre j'étais ici. studio. Ah Mon studio, oui. c'était ma chambre à l'époque. Ah On oui. était encore tout jeune et voilà. Et j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai compris une chose, c'est que c'était une vie qui était la meilleure possible, mais aussi une vie avec des exigences pour la maintenir. Et donc je me suis simplement discipliné et aussi j'ai donné ma vie au Seigneur entièrement, sans qu'il y ait une partie que je garde pour moi. Et donc je laisse le Seigneur me guider, m'instruire tous les jours. Et parfois les gens qui regardent de l'extérieur, ils ont l'impression que c'est difficile, mais ça ne l'est pas tant que ça. À partir du moment qu'on a fait son choix. Donc quand on choisit une chose, c'est qu'on abandonne tout le reste. On ne peut pas faire des mélanges. Alléluia. Et donc j'ai choisi le Seigneur Jésus, je le suis. Parfois ce n'est pas facile parce qu'il y a des conditions difficiles et tout ça, mais je sais quand même sur quoi m'appuyer. Je m'appuie sur sa parole, je maintiens une vie de prière, je m'éloigne du mal. Je fais tout pour que le mal ne vienne pas inonder ma vie. Et voilà, ça me permet de marcher. Je dis ça en bref, hein, on peut épiloguer là-dessus, faire Oui, beaucoup de oui, démissions. oui. Mais ces éléments-là permettent d'avoir une bonne vie, d'autant plus que je suis en train de me préparer pour son retour. Et je voudrais vivre mon éternité avec lui au ciel. Donc je ne peux pas compromettre ça pour des petites choses de cette terre. L'objectif du pasteur Jacques Raymond Goïka-Koudji, c'est de vivre l'éternité avec le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà, pasteur Jacques, vous êtes orateur dans plusieurs manifestations, surtout organisées à la Génération Jorée. Et la manifestation qui nous réunit, vous et nous aujourd'hui, c'est la Doxa. Quelle est votre expérience qui marque votre vie en tant qu'orateur dans la manifestation Doxa? Ben, chaque orateur, ce qui est le plus important pour lui, c'est de voir quel est l'impact de son ministère sur les vies. Si vous travaillez, qu'il n'y a pas de changement dans les vies des gens, ça signifie que vous travaillez en vain. Donc c'est ça, mon œil va vers les changements que j'observe dans les vies des gens qui sont sous l'influence de notre ministère. Vous voyez vraiment de la croissance, de l'épanouissement. Et donc tout ce que nous disons, ça transforme à l'intérieur les gens, ça leur permet d'avoir les meilleures attitudes possibles pour servir le Seigneur et surtout jouir de la qualité d'enfant de Dieu. C'est ce que nous voyons. Au début, c'était petit, hein, donc ça. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à y participer, ce n'était pas l'ampleur que je vois aujourd'hui. Du point de vue de la gloire, de la beauté, non seulement du temple, mais des vies des gens. On voit vraiment qu'il y a de l'épanouissement. Et ça signifie qu'on ne fait pas un travail en vain. Il y a une évolution positive que l'on peut apprécier. Voilà, merci beaucoup, pasteur Jacques. Le pasteur Jacques Raymond Goïka-Koudji, il est marié à Mama Emiliane Habiba, que je salue en passant. C'est la maman que vous avez vue à côté du pasteur en train de travailler ensemble, en duo.
Ces Dieu-là nous a vraiment inspirés. Ça a inspiré les jeunes gens au studio. Ils disaient déjà, Seigneur, donne-nous aussi une femme prophétesse comme Maman Emiliane. On veut aussi travailler en duo comme les pasteurs Jacques Raymond et Kakoudji. Mais Ça nous je a... peux leur donner un conseil si tu permets, c'est que Oui. il faut pas épouser une prophétesse, il faut épouser d'abord une femme. Que vous Parce allez transformer en prophétesse. que, mais le ministère, ça vient Ah s'ajouter. Et oui. la beauté de l'histoire, c'est qu'on soit bien et à la maison et aussi dans le ministère. Parce que parfois, il y a des cas où c'est compliqué. Et à la maison, ça ne marche pas. On fait juste le ministère. Mais là, on a quand même une vie où il y a cette harmonie. Et à la maison, le ministère se fait. C'est le tout qu'il faut chercher, quoi. Voilà, c'est déjà un conseil que le pasteur Jacques Raymond Goïka Koudji nous donne. Je souhaite qu'il donne un autre conseil pour les jeunes chrétiens qui souhaitent émerger dans le ministère. Quel Ouais, est le le conseil qu'il conseil à donner, c'est qu'on n'émerge pas par ses propres efforts, on émerge avec l'accompagnement divin. Il faut s'appuyer sur Dieu et quand Dieu te conduit, il va progressivement te donner tout l'équipement nécessaire pour que tu émerges. Donc, aujourd'hui, je sais que plusieurs veulent émerger. Il y en a qui émergent de la mauvaise manière. Ils trouvent des artifices, des formules pour émerger. Et la conséquence, c'est qu'ils ne tiennent pas longtemps dans le ministère. Voilà, donc ça ne sert à rien de faire juste effet feu d'artifice et puis disparaître. Donc il faut rester dans le ministère longtemps. Et ça demande vraiment qu'on s'appuie sur le Seigneur, qu'on attende son temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas surtout fabriquer à la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Pasteur, les derniers mots, et dans ces derniers mots, je souhaite que vous donniez un mot d'encouragement à notre pasteur Michel Badi. Bon, le dernier mot, c'est qu'on doit apprécier le travail que le pasteur Michel fait et on voit la constance. J'allais le dire tout à l'heure, parfois la marche avec le Seigneur se fait dans la routine. C'est dans la routine que Dieu apprécie notre fidélité et c'est au bout de cela qu'on vit la gloire de Dieu. Donc on voit vraiment la fidélité d'un homme de Dieu. Il a travaillé des doxas et des doxas. Par moments, j'ai vu la fatigue, la pression financière et autres sur lui et tout ça, mais il a tenu. Et chaque année, il y a des moments, on parle avec lui, il se demande ce que je dois encore organiser, mais Dieu lui dit organise. Et chaque fois, c'est toujours un succès. Et on doit l'encourager, au même moment, encourager tous ceux qui viennent. Le Seigneur lui-même sait ce qu'il donne à chacun, à chaque doxa. Et donc, cette fois-ci, il y aura encore beaucoup de choses que Dieu va faire dans les vies de certains. Pour d'autres, ce ne sera peut-être pas visible. Mais au moment que le Seigneur a fixé, ça va se manifester. Mais nous faisons confiance en Dieu. Dieu fait les choses pas à moitié, mais de manière totale et de la manière la plus impeccable imaginable. Voilà. Dieu fait les choses de manière totale et impeccable et d'une manière inimaginable. C'était le pasteur Jacques Raymond Goïka Koudji sur ce plateau de la Doxa Revival.